Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien les people. Ça va, ça va. Donc, il y a couvre-feu, ça caille, il neige. Donc, on reste cloîtré à la maison. Le sport, ça va vous prendre la science de la vie. Ça vous permet de réfléchir tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon. Avec le sport, on réfléchit. Chaque mouvement, chaque répétition, chaque différent training, vous allez prendre conscience de la vie. Ça vous permet aussi de mûrir, de grandir, d'enlever les gamineries, les sottises, les bobards qu'on raconte 24 sur 24, le sport, ça va vous mûrir dans la tête. Ça va vous faire grandir les petits asticots dans le cerveau. Ça, après, avec le sport, vous pourrez avoir des opportunités d'avoir un bon chemin, de la vraie personne. Il faut prendre aussi conscience aussi de la vie de tous les jours, à part le sport. Ça vous permet aussi de réfléchir du parcours que vous voulez. Si vous voulez faire une marche arrière, vous voulez partir à droite, à gauche, si vous voulez foncer droit, vous avez plusieurs opportunités. Vous en avez quatre. Marche arrière, partir à droite, à gauche, aller droit. La meilleure solution, il n'y en a qu'une sur trois, sur quatre. Donc, ça vous permet aussi de voir les choses. Avec le sport, ça vous aide de voir d'autres choses. Comme exemple, je vais prendre un exemple, c'est vous rencontrez quelqu'un, si vous parlez au téléphone, si vous, en virtuel, voilà, comme les bombards qui racontent à la télé, ou si vous êtes vu en réel. Après, quand vous rentrez à la maison, vous allez faire le sport. Vous allez réfléchir sur cette personne, sa méthode, comment je ressentis. Vous allez le ressentir avec le sport et de viser les choses du bon ou du mauvais. C'est un truc qui vous fait grandir, mûrir énormément, de ne pas être un gamin, d'être soi-même, d'être, comment dire, d'être honnête, d'être franc dans la vie de tous les jours. Il n'y a que l'honnêteté qui paye. Et les bobards vous faites descendre en bas de l'échelle. C'est pour ça que le sport, ça vous aide à ouvrir pas mal de portes. Ouais, pas mal de portes. Déjà, ça va vous calmer les nerfs, l'anxiété et de prendre conscience de toutes les choses qui peuvent y arriver maintenant. Le sport, c'est la science de vie. C'est une science qu'on admet, qu'on aime, ça fait partie du jeu. Du jeu de la vie. De la vie OP. En PLS. C'est pour ça que moi je me suis mis au sport pour être déjà bien en moi-même. C'est pour ça que vous voyez que je suis généreux, je rigole. J'ai ben, celle qui veut de la tendresse, ben, j'en ai plein à donner. C'est par rapport à au sport que ça m'a donné, ouvrir, ça va vous ouvrir plein de portes au niveau amour, au niveau de la sensualité, au niveau échec, au niveau de tout. Ça va vous ouvrir l'appétit à toutes les portes. Avec la rancœur, avec la dignité, avec la pudeur, avec la sueur, avec
la motivation, ça y va. La vie, elle est courte. On ne sait pas demain de quoi tu vas être faite. On ne sait pas si aujourd'hui on est bien, si demain on est mal. Prenez conscience que le sport, vous allez toujours aller bien. Vous faites pas de sport, vous allez rester pourrir dans votre coin, comme une tomate pourrie qui pue. Voilà. Prenez quand même conscience que le sport, c'est une science, le sport, c'est une science de vie. C'est une science, on respire, on réfléchit. Même les étudiants, même les travailleurs, même les chômeurs, tout. Donc, on chie comme tous, on pisse et à chaque on baise. Je vous dis, aïwana, tout biceps, big chest, big cul, big cas. À la prochaine.